drop it. Hey, salut à tous les amis, c'est Jeremy. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour le deuxième épisode de notre mob pro team. Donc je tourne à la suite, donc j'ai pas vu encore vos retours. J'espère qu'ils seront bons, parce que je mets vraiment du temps à faire le montage de cette vidéo. Donc on est parti pour Retournax Amalier, Arcassonan, Oyonax et Bergerax, Coulouniex. Donc les gars, on est parti, on se retrouve tout de suite pour les objectifs de cette étape, à tout de suite. De retour les gars pour les objectifs. Objectif avec le Bayef de finir dans les 20 premiers, donc c'est possible. Avec Pélo, c'est impossible. Donc on va pas prendre l'échappée aujourd'hui. On va tout simplement se retrouver tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée. A tout de suite. De retour les gars, 14 quelques kilomètres, voilà. Donc on est avec le Bayef, donc c'est vraiment une étape folle les gars. Ça fait que attaquer dans tous les sens. L'échappée va sûrement aller au bout, ce 4 minutes à 13 km. Qu'on vous dire qu'ils sont très très bien partis, franchement. Même vous, là, votre écran, vous devez vous le dire. Donc déjà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir des vidéos sur Tour de France 2016 en avance. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, cette vidéo, mais elle nous devrait tarder. Donc l'entend, il est jeudi soir, voilà. Le rendu de la vidéo est en train de se faire, ça fait que bugger. Bon. Voilà, ça va bien marcher un jour. Là, normalement, c'est bien parti, c'est presque à la fin. Normalement, vous l'aurez bien vendredi soir à 17h ou 18h, je ne sais pas encore. Allez, Boy Van Poppel qui roule. Mais là, de toute façon, l'échappé qui a gagné. Mais en plus, ils auront pris de l'avance pour le général après. Franchement, c'est quand même 4 minutes et quelques, ils auront pris de l'avance. Donc, 10 points d'intermédiaire, je fais 13, voilà. Je me fais complètement bloquer par Jens de Buchereau. Il m'a complètement bloqué. Attaque d'Alexandre Geniez. Ouais, là, je pense que le sec coché. Oh, bleu. Bon, non, on va continuer avec tout le Bayef, de toute façon. On a vraiment que ça à foutre. On doit y aller uniquement avec tout le Bayef maintenant. Hein. S'il n'y a plus que sur lui qu'on peut compter, à mon avis. Pour si, pourquoi pas, une place dans le top 10, je veux dire. Il essaye de partir en contre. De la descente, please. Le peloton roule fort, restez bien placé. Allez, là, on va pouvoir se mettre en position aérodynamique. C'est parti. Allez, la petite position aérodynamique qui va faire donner un peu plus d'énergie, voilà, pour la suite de la course. Allez, hop. On fait des bonnes descentes pour l'instant. Il vient de tomber. Il risque de faire du tout. Ah, chute d'Adam Yates. Ouh là là, le peloton s'en est en deux. Le peloton scindé en deux et nous on a tout là, ok, tranquille, tranquillement. On a juste Pélo, mais on s'en bat totalement les couilles de Pélo. Et l'échappé devant qui n'est plus qu'à 6 km. On est à fond, nous, on est à fond, on est à fond les gars, laissez-nous tranquille. Mais j'espère qu'il y aura les écarts, j'espère que les écarts seront comptés. Bon, je vous dis, on peut pas aller plus vite, hein. Là on se fait juste lâcher au rythme, hein, pour info. André Guardini qui s'est totalement arrêté. Oh ouais, c'est chaud. Là vraiment les gars, là ça va à une vitesse incroyable. On est à 65 km/h. Ok, on s'est fait totalement bloquer. On va faire une petite 15e place. Et bien non, même pas. On se fait complètement niquer. On fait 17e, je pense. Je pense que l'on fait 17e, les gars. Allez. Van Steyen, on attend. Van Steyen, Johan Gen.
Bon, franchement, c'était un peu galère cette étape, mais bon, aussi on est en mode champion, on est au Dauphiné, on est une équipe de merde. C'est normal, on ne sera pas du tout qualifié pour le Tour de France et ça fallait totalement prévoir. Même je m'attendais pas à me qualifier. Donc Yves Lampaert qui gagne. Ok, on va passer directement parce que c'est pas du tout intéressant. Hop, 232 000, ça nous fait. Donc Arkansenin, Oyonnax, les gars, on va se retrouver tout de suite pour les objectifs. À tout de suite. De retour pour les objectifs. Objectif être Tlobaïev avec Tlobaïev de finir dans les 20 premiers de l'étape. Truc un peu chaud, mais bon, on va bien voir. Donc, j'avais envie, je vais faire partir François Bidard dans l'échappée. Et en tout cas, nous, on va se retrouver plus tard dans la course. À tout à l'heure, les gars. De retour, les gars. On est dans la côte de quatrième catégorie. Et comme vous pouvez le voir, ça roule, mais à fond, les gars. C'est un truc de fou. On avait Bidard en échappée, il s'est fait rattraper, mais là, ça roule à fond pour revenir. Donc, vous voyez qu'on fait un cocher-vœu et on prend très très cher. Vive le critère mi-dauphiné, moi je dis. Regardez, on est à fond. On peut pas aller plus vite. Hein. On est vraiment à fond. Et en plus, depuis tout à l'heure, ça s'arrête au milieu du peloton. Il y en a qui s'arrêtent, etc., etc. Donc c'est chaud. En plus, il y en a qui attaquent. Donc c'est la merde. Comment vous dire que c'est vraiment la merde? Enfin, c'est pas de la merde. C'est la merde. J'ai pas déjà bien dit. Encore après, ils disent ouais, tu critiques le jeu. Non, non, j'ai dit c'est la merde. J'ai pas dit c'est de la merde. Allez hop, on est remonté en première tête du peloton. François Bidard, il est lâché, ok. C'était normal, c'était à prévoir. Donc l'échappé qui va aller au bout encore, je pense. Deux fois d'affilée. Tranquillement. Peut-être atteindre le maillot jaune, les potes, là, devant. Les gars, ils partent sans leur leader au calme. On va zoomer sur cette bosse. Putain, non. Erreur. Bon, en tout cas, cette étape, j'aime bien. D'habitude, j'arrivais bien à la gérer sur le Tour de France 2014, je crois. Sur 2014 ou 2015, je sais plus, c'était sur lequel. Mais je crois que c'était plus sur 2014. Mais bon, je ne suis pas sûr. C'est pas très grave. Allez, moi en tout cas, moi je pense que je vais attaquer. Je pense que je vais attaquer, les gars. Voilà, hop, on prend des risques avec Cochevoy, mais bon, il faut toujours prendre des risques, les gars. On n'a rien fait du tout. On n'est pas du tout parti. Voilà. C'est super. Ah si, waouh, on avait pris 4 secondes. Incroyable. Attaque de Moreno. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Nous, on est vraiment pas loin quand même, mais c'est l'échappé qui va gagner quand même. Heureusement qu'ils vont y croire. Hein. Attends, s'ils gagnent pas là, c'est chaud. Bon, en tout cas, nous on arrivera dans le progrès. Oh, Tlebaïev. Il risque de perdre du temps en général. Tlebaïev, il est toujours là, mon petit. On va jouer le sprint avec toi, mon pote. Hein. Putain, Boiron, enculé. Il est en difficulté. T'es sûr qu'il soit là pour disputer le sprint? Allez, là on est bien, là on se met bien, les gars. On va pouvoir faire le sprint avec Tlebaïev tranquillement. Ok, Daryl Impey qui lance déjà le sprint, lui il est chaud. Heureusement qu'elle va avoir assez d'avance, mon gars. Sinon, il y a un problème. Allez, Boy Van Poppel qui lance pour Giacomo Nizzolo, là. Nous, on est bien avec Tlebaïev. Il y a Winans devant nous. De la Lotto Jumbo, là. Voilà.
J'avais perdu l'équipe. Allez, hop. Là, oh là là, ça lance déjà ou quoi? Ah ouais, ils sont chauds. Ils sont vraiment chauds. Une type lance déjà le sprint, tu sais. Mais sketch. Allez, on y va. Oh là 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 là. Mais sketch. Non, mais sketch. Boum. Allez, 9e. On fait le top 10. Premier top 10 sur ce critérium du Dauphiné, les gars. Et c'était un effort intensif. On attend François Bidard. Ah ouais, quel effort intensif. Ah dommage qu'on s'est fait un peu bloquer par Mesgech. Je pense qu'on aurait pu faire. On aurait pu faire 7ème à mon avis. Après ce n'est que mon avis, voilà. Donc Sarah Montaigne, ce qui gagne, ok, au calme. On est 16ème, on est 24ème. Par contre si on se qualifie les gars. Mais je sais pas combien il faut faire en fait pour se qualifier pour le Tour de France. Finir dans les 15 premiers, ah ok. Donc, Bergerac, Coulonix, les gars, on va se retrouver, les gars, tout de suite pour les objectifs de ce contre-la-montre par équipe. A tout de suite. De retour, les gars, pour le contre-la-montre par équipe de 22 km, Bergerac, Coulonix. Donc, on est parti, donc, terminé en moins de 26-30. La dernière équipe s'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe? Nous le saurons d'ici quelques minutes. Allez. Donc, j'espère que c'est pas mal. Là, c'est genre des trucs qui bougent et ça a l'air d'être. Waouh. Ok, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil pour changer de coureur. Ah ouais, c'est chaud. Oh là là, c'est quoi cette merde? La descente est sinueuse, faites attention! Mais les gars, vous êtes où? Il faut accrocher François là. Ah ouais. On fait n'importe. Oh, c'est n'importe les gars. C'est n'importe quoi, cette première descente là, le début est un peu catastrophique, mais bon. C'est pas grave, on va s'y faire. Hein. Ah ouais, François Bidard, il arrive à ne pas accrocher. Regardez, c'est un énorme galère derrière. Allez, on va rouler avec Simon Pello. Dis-moi qui s'en spelle là. Allez, on est bien parti là. On s'est bien mis en train pour l'instant. Hop, ça suit bien derrière. On est 22e. Ok, on est dernier. C'est totalement normal de toute façon. Essayez de garder ce rythme jusqu'au bout. Ouais, on réalise un très très bon temps. Waouh. C'est pas bon, les gars. On n'est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Attends, c'est le mec qui me dit que je suis un bon temps et après il me dit que c'est pas bon. Ça tombe bizarre. Ça va commencer à être plus difficile avec de longs faux plats montants. Restez bien en ligne. Allez, les gars. Ouais, mais attends, t'as vu l'équipe quand même, mon pote? Donc là, alors je vous parle, le rendu est fini. La mise en ligne se fait, donc on va voir si ça marche. Et on verra. On verra. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Normalement, vous aurez bien l'épisode pour vendredi soir. Ouais, ça a quand même du mal à accrocher derrière. Ouais, Van Zyl, oh là là. Oh, direct passé, catastrophique ça. Ça a quand même du mal derrière à tenir, alors qu'on est que normal. On roule totalement normal. Allez, allez! Ah ouais, eux, faut qu'on passe directement. Et ils peuvent plus, ils sont morts. Ah, oh, Pélo! Ah ouais, lui il est chaud. Oh, Tlovaillé file un peu plus. Et Martin non plus. Allez, on va rouler avec Bélit. Ils sont tous morts. Allez, il n'y a plus aucun gars. Allez, on
22ème, mais c'est normal qu'on soit 22ème, mec. Ils sont tous morts dans l'équipe. Et il y a Van Bilsen qui peut prendre un relais. Allez. Hop. Oh oui, il est déjà en défaillance, lui. Oh, c'est chaud. Ça va descendre pendant quelques galère. Oh là 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 là, c'est une galère, les gars. Allez, les gars. Donc. Allez. Je sais pas, j'espère qu'on m'entend bien au micro, quoi. Sinon, je serais dead. Hop. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on fait le contre-la-montre. 4 minutes 30, ok. Allez, derrière, faut que ça accroche là. Parce qu'on arrive à 4, donc. N'oubliez pas que le temps est pris. Ou à 5. Ou à 5. Ça sert à rien de venir tout seul. Derrière, ça va péter. Hein. Derrière, ça va complètement craquer. Wow. Ça va craquer derrière. Allez, ouais. Donc c'est pas le même que les dernières, donc c'est une autre contre-monde par équipe. Et ça m'étonnerait pas que ça soit celui du critérium du Dauphiné de l'année dernière en fait. Je pense, franchement. Je sais pas du tout. Oh putain, regardez, c'est la merde. C'est la merde. Ils sont tous morts. Mais c'est impossible. Allez, on peut même plus aller sur. On peut même plus aller sur le gate derrière. Mais wow, regardez le temps. Mais je peux plus. Oh là là. Mais les gars, on a pris un tir. On a pris 4 minutes, je suis sûr, dans la gueule. Oh, c'est chaud quand même. C'est chaud. On a pris cher. Wow, 1 minute 40. Bon, Ok, on occupe les dernières places. On est les bons derniers. On peut dire que c'est la galère. C'est vraiment la galère sans contre-monde par équipe. En plus, je déteste faire les contre-monde par équipe, vous le savez. Donc là, c'est encore plus galère. Donc, dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour ces 3 étapes, voilà. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.